Je pense que quand tu étais une fois en finale de la Coupe Davis, comme nous en Suisse ici, tu peux pas faire ça tranquillement. On va faire vite notre deuxième finale en histoire. En plus, la victoire de Stan en Australie a quand même remis toutes les questions aussi pour voir comment il allait se sentir après un exploit énorme. Moi, je savais plus ou moins qu'est-ce que je voulais faire quand même. Et après, je pense que la chance aussi de cette année, c'était que les possibles adversaires, c'était tous Europe, plus ou moins. C'était plus facile parce que si tu n'as pas de chance, tu vas au Japon, tu vas en Amérique du Sud, tu vas en Australie pour à la fin encore repartir en Amérique du Sud peut-être. Alors comme ça, je pense qu'on avait de la chance, mais pour finir, on était tous présents et ça s'est bien goupillé pour finir. Je suis vraiment très content qu'on est dans la finale comme on le souhaitait, une fois arrivé en Serbie ensemble le mercredi. Pour moi, c'est important que moi j'ai fait ma phase sur terre battue. Un tout petit peu, forcément j'aurais aimé faire un peu plus lent, mais 3 jours quand même, ça me donne beaucoup d'informations. J'ai passé beaucoup d'heures dessus. C'était intéressant et c'était très isolé, tout autre chose. C'était même un peu, je sais pas comment dire, c'était rafraîchissant d'être. Hein? Rafraîchissant. C'était sur une autre surface comme ça par hasard, parce que ça n'a rien à voir avec Shanghai, ça n'a rien à voir avec Bâle et Paris et Londres, etc. C'est vraiment juste là au moment même, les 3 jours, c'était vraiment cool de faire ça avec Seve et Pierre. Et après que ça fait des échos d'un côté, ça m'a beaucoup surpris. Et après, avec du recul, je me suis dit, la Coupe Davis en France, c'est quand même assez important. Ça fait parler, peut-être, tu vois, un petit carré dans le journal, mais peut-être pas plus que ça quand même. Mais après, bon, si tu ajoutes la sauce avec, tu demandes à tout le monde, tout le monde répond. Après, c'est facile de faire des jolis articles, quoi, après. Quand tu étais numéro un mondial, c'est sympa de le redevenir quand même aussi. C'est quand même la place ultime dans le sport. Et je sais, je suis quand même assez loin encore de tout ça. Mais en même temps, d'habitude, je finis toujours bien des saisons. Je joue bien en World Tour Finals en principe. Maintenant, je joue en plus chez moi ici. J'ai de la confiance. J'ai joué une très bonne année. Maintenant, il faut juste rester sans blessure. Et après, on verra qu'est-ce que ça donne. C'est clair que la Coupe Davis, pour beaucoup de Suisses, c'est pour toute l'équipe, pour mes coéquipiers, pour mon capitaine, pour la fédération, c'est très très important. Mais quand même, pour l'instant, je pense que tout le monde veut que je joue bien en tournoi et que je me concentre derrière pour la Coupe Davis.